Merci pour le privilège d'être vivant. Nous avions commencé une nouvelle selon le calendrier des hommes. Selon les calendriers humains. Nous avons commencé une nouvelle course. Pambolazambe pour être là parmi batu oyo bazana course oyo. Ama chante kelebo shi alabaya. In Jesus name. Amen. Papa, nous disons merci. Papa, totondio botondi. Merci pour tout ce que tu fais. Totondio botondi pona nyoso zali kosala. Merci pour le début, le commencement de cette année nouvelle. De préservation totale. Des soins parle à nos cœurs. Lobela mité manabiso. Parle à nos cœurs. Loba na mité manabiso. Que ton Esprit Saint prenne contrôle absolu. Tikete molimo esanto na yo akambanyoso. Donne-moi l'expression surnaturelle. Jésus est Seigneur dans ce lieu. Jésus-Christ est Seigneur dans ce lieu. Ce soir, au nom de Jésus, merci un million de fois. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit bonjour, toi tu réponds. Préservation totale. Préservation totale. Alléluia. Amen. Bonjour Papa Gauthier. Préservation totale Papa. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prophétiser Alain et l'autre. Alléluia. Amen. Ce soir on va regarder dans la parole qui seront préservés. Qui seront préservés? Il faut savoir pour que tu sois positionné. Alléluia. Amen. La lune n'a pas de lumière. Sanza yangenga kate azaka na. La lune fait que positionner derrière ou devant, je ne sais pas, le soleil. Et c'est pour cela, dans la nuit, il brille. Parce qu'il est positionné. Si on va se positionner correctement, la préservation ou vos préservations sera votre partage à 100%. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir en tant que référence. Ce sont des choses de l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. S'il n'a pas changé, selon Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te dis, dans ce temps ici, Dieu va te préserver. Si tu regardes, si tu lis la parole de Dieu très bien, et tu vas voir que beaucoup de choses sont des choses. On appelle ça l'ombre des choses à venir. Même l'agneau qu'on a tué en Égypte, avant de sortir en Égypte, ce sont des l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. De même, ce qui s'est passé là en Égypte, toutes ces pestes calamiteuses, ce sont des choses, de l'ombre des choses à venir. Et voilà pourquoi toutes ces choses sont écrites. C'est pas seulement une histoire. C'est une référence. Pour nous booster notre foi et pour nous faire comprendre que Dieu est fidèle. S'il a fait cela, il va le répéter encore dans notre génération. Exode chapitre 5, verset 1. Exode chapitre 5, à partir du premier verset, version Darby, je lis au nom de Jésus-Christ. Et après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent au Pharaon, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Raison pour la libération des enfants d'Israël. Numéro 1, ça commence ici. Afin qu'il Tina oyo nzambe akangola ki libota na Israël, ya liboso tozotanga awa, eza pour être ba kumisangai. Alléluia. Amen. Qui
seront préservés. Banani oyo bakobate la ma. C'est ça notre thème. Wanande mama likambo na biso. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prête à célébrer Dieu dans cette nouvelle année? Dieu cherche ceux qui va lui célébrer dans cette nouvelle année. Na mbula oya sika nzambe azoluka ba oyo bakokumisa ye. Avec ton manière de vivre chaque jour. Na lolenge na oya kobika mikolo nyonso. Que ta vie réelle célèbre Dieu. Lingala ya lelo. Moïse na Aaron bakei epai ya mokondi monene ya Egypte pe balobi na ye. Yahweh nzambe ya Israël alobi boye. Pesa bato na ngai nzela bakende kosalela ngai feti na esobe pona kokumisa ngai. Pona kokumisa ngai. Est-ce que okokumisa nzambe na vie na yo na mbula oyo? Bake ozokumisa ye na munoko me ozomene vie mosusu. Oso yo kisa komu na esoni na manye na yo ya kuvivu. Mena munoko na yo, yo wana. Na lingi Yeshuwe. Na lingi Yeshuwe. Na lingi Yeshu. Amen. Alleluia. Mais vie, oso mene, is autre chose. Et tu prêtes à célébrer l'éternel par la vie que tu mènes. Dieu voulait. Nzambali. A lingi. Tout célébrer ye na vie na biso style de vie. Il veut que nous puissions le célébrer par notre style de vie. Qui seront préservés? Banani bakobate la main. C'est qui célèbre Dieu avec leur vie. Ba oyo bomo ina bango ezo kumisa nzambe. Mutu ya moni alobi atuka zambi ya zamala. Quand quelqu'un te voit sans que tu ne parles, il célèbre Dieu. Papa oyo vraiment Crispin a changé. Ce monsieur a changé. Non, vie na yo ezo pesa zambe lokumu. Que ta vie puisse glorifier Dieu. À cause de ta vie. Que le monde puisse glorifier pas Dieu. Que bazo fingi sa zambe à cause ya vie na yo. Pas que le nom de Christ soit calomnié à cause de ta vie. Non. Afin qu'il me célèbre. Boete bakumi sangai. Nani aza prêt à célébrer zambe. Qui est prêt à célébrer Dieu? Tu es prêt à célébrer Dieu par ta manière de vivre. Bah tu as dingo anane bakozala préservé. Seuls ceux qui sont prêts à célébrer Dieu par leur manière de vivre seront préservés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la grâce ce soir. Yambangoluna pourquoi allélo? Pour mener une vie qui célèbre le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse mon peuple aller afin qu'il me est-ce que tu sais que tout lui appartient? Le ciel et la terre et tout ce qui est dedans lui appartient. Inclus toi et moi. Ton argent là lui appartient. Tout ce que tu as, lui appartient. La terre là où tu vivons, tu mouvons, lui appartient. Il y a une chose que Dieu demande de toi et moi, c'est de les célébrer. Dieu ne mange pas le riz, Dieu ne mange pas les viandes, Dieu ne mange pas les foufou. Ce que Dieu mange, c'est louange et adoration, célébration. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Moko ya service, o ezo beta na mutema. Ya zambe na minute yo ezanini ko gagner la vie de ceux qui sont perdus. Tu n'es pas sauvé pour être seul, tu es sauvé pour sauver les autres. Obikisama te pona o sepela yo moko yo obikisama pona nzela na yo misusu pe babika. Alléluia. Amen. Quel service tu es en train de rendre à ton Dieu qui t'a sauvé? Point d'interrogation. Quel service que tu es en train de rendre pour lui? Il est là pour préserver ce qui les sert. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, laissez aller mon peuple pour qu'il me sert. Mais si tu refuses de les laisser aller, voici, je vais frapper des grenouilles
toutes tes limites. Je vais frapper. Et il a fait ça. Et à ça là qui bongo. Mais là où résident ses enfants, et si kabana na ye bazali, ils sont intouchables. Il les a préservés. Et je suis ici pour te dire tout ce qui va se passer dans cette 2022. Si vraiment tu es un servant de Dieu, une serviteur de Dieu, Dieu va te préserver. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Il y a des choses que Dieu ne va pas permettre de m'arriver aussi longtemps que je les sers. Mais si on est poisonné, ça ne va rien faire. Parce qu'il sait que celui-là, il est très important pour mon royaume. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Est-ce que ou bien tu es pour là pour te servir toi-même? Parce que beaucoup viennent, ils cherchent ce que Dieu fait, va leur faire, mais eux-mêmes, ils ne font rien pour Dieu. Et Dieu cherche les vrais serviteurs. Alléluia. Amen. Dieu est prêt à préserver ses serviteurs, ceux qui servent. Pas avec la bouche, mais ceux qui les servent en vérité. Regarde les apôtres. Comme Pierre, on a jeté Pierre en prison. Mais Dieu a fait tout pour faire sortir Pierre. Parce que Pierre est très important dans son royaume. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Alléluia. Amen. Dès qu'il voit que cette personne est très très important pour mon royaume ici, il va te préserver. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cette 2022 tu es prêt à servir Dieu? Quand je dis service, ce n'est pas de venir à l'église, ça c'est pas service, ça c'est pour toi-même, ça c'est pas un service. Que tu viens, tu s'assois, tu écoutes la parole de Dieu, ça c'est pas un service. Les choses qui sont très importantes dans le cœur de Dieu maintenant, c'est de gagner ceux qui sont perdus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là aujourd'hui sauvés, mais il n'a jamais évangélisé les autres. Il n'a jamais prêché aux autres pour les saluer. Jamais. Mais il vient à l'église, il part. Il vient à l'église, il dit, je suis chrétien. Dieu cherche les vrais serviteurs. Exode chapitre 7, verset 16. Verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi, disant, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Pour qu'il me serve dans le désert. Première chose, pour qu'il me célèbre. Deuxième, pour qu'il me serve. Yaliboso kokou misaye, pe ami balé ko salelaye. Alléluia. Amen. Ce qui vous apprête, yako salelaye. Si tu es prêt à le servir. Vous apprête, yako préserver. Lui, il est prêt à te préserver. Question nangai ozo salelaye denge nini. Est-ce que denge ovandi boye oyena cute wanande ko salela zambe? Non, natune wanande ko salela zambe. Non. Venir au culte, ce n'est pas servir Dieu. Il faut mituna, qu'est-ce que j'ai fait moi en tant que contribution pour l'œuvre de Dieu, pour l'expansion du royaume, pour gagner ceux qui sont perdus. Quelle est ma contribution? Yo, yesengeli omituna pona kopiki saba oyo babungi nini oyo ngana zo yana yango nini oyo ngana zo sala pote ba oyo babungi babiki sama. Regarde les hommes, surtout les hommes. Dala mi bato mingi mingi mibali, comment ils dépensent sur leur voiture, parce que la voiture là les sert. So il fait des dépenses, il a des dépenses qu'il fait même sur la voiture qu'il ne fait pas pour sa femme. Est-ce que tu sais? Amen. Parce que cette voiture est très importante. Cette voiture les sert tous les jours. L'entretien, changer de couleur, tout ça pour maintenir
cette voiture. De même, dès que tu sers Dieu, Dieu va te maintenir. Amen. Dieu va te préserver. Regarde encore Exode 9. Même chose, verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laissez aller mon peuple pour qu'il me serve. Car, verset 2, si tu refuses de les laisser aller et que tu les retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont au champ, sur les chevaux et sur les ânes et sur les chameaux et sur les grosses bétails et sur les menaux bétails. Et il y aura une peste très grande. Verset 3, écoute. Et l'Éternel distinguera entre les troupeaux des Israélites et les troupeaux des Égyptiens, et rien ne mourra de tout ce qui est au fils d'Israël. Dieu a préservé ses enfants. Même leurs troupeaux. À cause de quoi? Parce que ils doivent aller les servir. Ataba nyama na bango, business na bango. Nzambe a batela ki pona nini et sengeli basalela ye. Quand Pharaon a dit, vous pouvez partir, pas de problème. Voici. Mais laissez vos troupeaux. Moïse a dit, on ne peut pas partir sans nos troupeaux parce que on a besoin de ces troupeaux-là pour faire un culte de sacrifice à notre Dieu. Ouais. Dans le pharaon, a dit, c'est bon, bon, kende kasi. Bon, mais on a dit, non, etika là. Moïse a songi se lobi na banyama na biso nyonso ata linzaka ekotika la te pona nini esengeli to tumbela nzambe na biso mbeka. Walelo, point d'interrogation. Tu sers Dieu comment et avec quoi? Ozose la nzambe nenge nini pena nini. Dieu a préservé même leur troupeau. Nzambe bateli ata na. Comme aujourd'hui il va préserver tes affaires, business et tout. Si tu utilises ça pour son royaume, pour son intérêt, ça c'est un message très fort. Mais c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu n'a pas de problème de me bénir aujourd'hui parce qu'il sait mon cœur. Je n'étais pas précipité pour construire ma maison. J'ai dit Dieu d'abord. Aujourd'hui, il ne peut pas me laisser. Je ne pense même pas à cela. Je ne prie pas pour cela. C'est tout à fait automatique. Parce que j'aimais Dieu d'abord. À la première place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de servir Dieu comment? Et tu es en train de servir Dieu avec quoi? Parce que s'il dit, et l'Éternel fit cela le lendemain, et tous les troupeaux d'Égyptiens mourront. Mais des troupeaux de fils d'Israël, ils n'en mourront pas une bête. Une fois pour qu'il m'ait célébré, mais plusieurs fois pour qu'il m'ait servi. Est-ce que tu sais que par ton service, tu es en train de célébrer Dieu? Est-ce que tu sais? Par ton service, tu es en train de célébrer quoi? Qui? Dieu. Yebete ata oyembite kaka nengo zo salela ye mosala ozokumisa ye. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. So, service is très important. Alors, le service est très important. Zambiazo valorise service na biso koleka yonso. Dieu valorise notre service plus que toute autre chose. Service na yo est un langage vers Dieu que je t'aime. Bien-aimé. Olingami. Mukoloko sosolake, Zambia pesio pema. A pesio nguya, kozoa mwa muke ozozoa wana. Et au sosole que moi mouke nangawana eza pona na sale la ye et au so etiangu ko sale la zambe oko kaoka li sosote. Je te dis la vérité. Je vous dis ce qui est vrai. Le jour vous comprendrez que les dieux qui vous accordent les souffles de vie et la force de trouver le peu que vous trouvez là, si vous accordez ce peu là d'abord pour son service,
c'est Dieu va vous préserver, vos taureaux ne seront plus jamais secs. Alléluia. Amen. Zambe aza prête ya ko pambola batu oyo bako engager nyoso na bango pona avancement ya royaume nae. Est-ce que tu as obéi la Yesu maboko makasi? Clame Jésus. Voilà. Lèvons-nous tous. Dès que tu vas ce week-end, je déclare préservation totale. Amen. Préservation totale. Amen. Préservation totale est à la partage. Au béni, on a préservé. Au songi, on a préservé. Na kombo na Yesu Masia. Au tambola na balabala, on a préservé. Week-end na yo et tambola me. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Sambeli, amen. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce et la préservation totale nous accompagnent tous les jours de la vie.